Seigneur Kuro, l'heure est venue, Dame Emma. Oui, je sais. Maître Genichiro attend, n'est-ce pas? Je vais retourner au sommet du château Ashina. L'eau, ce sifflet de roseau que nous avons déjà utilisé, cette fois, il me servira à t'appeler. Dites-moi, l'ami, n'êtes-vous pas l'un des samouraïs de ce château, hein? Vous avez l'air d'un shinobi redoutable. En effet. Je m'en doutais. Eh bien, vous m'avez ôté une sacrée épine du pied. Vous voyez, il y a eu un fâcheux incident, et depuis, il me traquait jour et nuit. Je n'en pouvais plus. Mais vous leur avez donné une belle leçon. Tenez, acceptez donc ceci. Je vends des informations pour gagner ma vie. Oui, vous avez besoin d'autre chose. Désolé, je ne fais pas de commerce dans un endroit aussi dangereux. Celui qui fuit peut continuer le combat, si vous voyez ce que je veux dire. Nos chemins se recroiseront peut-être un jour. Écoutez, l'ami, inutile d'insister. Je ne fais pas de commerce dans les endroits dangereux. Nos chemins se recroiseront peut-être un jour. Je
Je suis sûr que vous êtes déjà tous au courant. Cette bataille décidera du sort de tout Ashina. Nous devons risquer nos vies pour le Seigneur Ishin et pour le peuple d'Ashina. Nous sommes Ashina. Nous sommes invincibles. Oh ! Pour Ashina !
c'est vous. Encore merci de m'avoir tiré d'affaire au château Ashina. Je vais rester ici encore un peu. Il va me falloir du temps pour faire le tri dans mes informations. En parlant de ça, je serai ravi de faire affaire avec vous. Ça vous intéresse ? Chercher des marchandises, en fait. J'ai des doigts de fée, figurez-vous. J'obtiens toujours des tas de choses sans m'en rendre compte. J'en ai eu assez des cérémonies funéraires, alors je suis parti. Mais quand je vois un cadavre, impossible de l'ignorer. Et puis bon, s'ils veulent garder leurs affaires, il ne fallait pas mourir. À la prochaine, l'ami.